La vie et la triste fin de Kandji Girac. Kandji Girac fait ses premiers pas à la télévision. La bande-annonce de Champion dévoilée. Le chanteur Kandji Girac fait ses premiers pas d'acteur dans un téléfilm qui sera prochainement diffusé sur TF1. Intitulé Champion, celui-ci parle de l'illettrisme, un sujet qui fait écho à l'enfance du chanteur, qui a dû arrêter l'école à 14 ans. Il était connu comme chanteur, et fait désormais ses premiers pas, en tant que comédien. Kandji Girac tient le rôle principal du téléfilm Champion, qui sera bientôt diffusé sur TF1. Les premières images ont été relayées, mardi 12 juillet, sur le compte Instagram de l'artiste révélé par The Voice en 2014, rapporte RTL. Le long métrage a été tourné dans les environs de Marseille en début d'année 2022. Kandji Girac y joue le rôle de Zach, un jeune menuisier fan de boxe, qui doit reprendre les rênes de l'entreprise familiale, et dont le père est tombé dans le coma. Mais le jeune homme va devoir surmonter une difficulté supplémentaire, son illettrisme. Il arrête l'école à 14 ans. Point un sujet que Kandji Girac avait évoqué avec Télé Loisirs. Je suis allé à l'école, mais avec ma famille gitane, on partait en voyage dès le mois d'avril. J'ai fait ça toute ma scolarité. On commençait la rentrée plus tard également. J'étais donc assez en retard, par rapport aux autres élèves. Le chanteur a finalement stoppé sa scolarité à 14 ans, pour aller travailler avec son père. Des difficultés, il en a également rencontré lors de son passage dans l'émission The Voice. J'avais du mal à lire les paroles des chansons sur les prompteurs qui défilaient trop rapidement. Cela me ralentissait un peu. Je n'étais pas à l'aise, avec sa pointe et un look différent. Mais ce n'est pas le sujet qui a le plus interpellé les fans sur Instagram, mais bien le look du chanteur. Sur les premières images, Kandji Girac apparaît avec les cheveux et la barbe moins bien taillée. Ne m'en parlez pas. C'est ce qui a été le plus compliqué pour ce tournage, accepter de me laisser pousser la barbe et les cheveux. Mais pour se mettre dans le personnage de Zach, il fallait faire les choses jusqu'au bout, confiait-il à Télé Loisirs. Yeah.